Le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0. Sur Énergie. Attends, je crois qu'il y a Jordan Lapointier qui est déjà en place. Hein. Il s'échauffe là. Alors attends, on va le faire maintenant alors, parce que ouais, voilà, je sais que tu attends apparemment. Ouais. On vient de me faire signe comme quoi. Jordan Lapointier a une toute petite bite. Ah, il a peur. Là, ouais, là, il fait alors, très froid. Alors, tu es où là? En fait, je suis avenue de la Motte Piquet. Il y a plein de restos, de bars et tout. Et on va essayer d'aller trouver un rendez-vous Tinder alors. Donc, il y a des gens qui sont sur les terrasses ou il fait trop froid là? C'est ça. Non, non, en fait, il y a un peu des gens sur les terrasses, mais oui, c'est les terrasses couvertes, tu sais, avec le chauffage, tout ça. Ouais, les fumeurs ouais, surtout. Ouais. Et alors, ce que tu vas faire, tu vas répéter les phrases que je te donne, d'accord? Ok. Tu vas me décrire la situation avant d'aller t'asseoir. Par exemple, c'est un monsieur brun avec une dame blonde, j'en sais rien. Okay. Et à partir du moment où tu m'as donné les infos, tu vas t'asseoir et moi, je te dis ce que tu dois dire, d'accord? Ok. Tu vas t'asseoir, tu dis bonsoir. Salut, c'est avec vous, j'ai rendez-vous. Je suis... Alors là, tu dis, tu te présentes et tu dis bonsoir, c'est Soumis 75. C'est Soumis du 75. Est-ce que c'est bien avec vous, j'ai rendez-vous? C'est bien vous, le couple? Allez. Là, je suis en train de rentrer là. Hop. Ah, mais toi, tu rentres dans le bar là. Ah, bah oui. Sur la terrasse. Il n'y a personne sur la terrasse. Allez. Ouais, non, y avait... En fait, la clé Varra, c'est découvert. Je me suis mis à côté, là, je suis resté à côté des personnes. Eh ben, parle-leur. À côté du couple. Vas-y. Allez. Hop. Bonsoir. C'est moi. C'est vous que j'ai rencontré sur les échangistes de Paris, c'est ça? C'est vous que j'ai rencontré sur les échangistes de Paris, non? C'est moi, 1975. C'est bien vous, c'est bien vous le couple grosse gay du 7-2? Ah, c'est pas vous le couple grosse gay, tout ça, non? Non? D'accord. Non. Enfin, on s'était dit sur internet qu'on se retrouvait ici et je crois avoir vu votre photo. Vous n'êtes pas intéressé par 23 cm du 78? Vous n'êtes pas intéressé par 23 cm, c'est en plus on s'était dit. Non, c'était pas. Non, parce que. Non, mais parce qu'en fait, on s'était parlé, c'est pour ça. C'est rigolo. Mais. Pourquoi? Ouais, non, mais c'est deux messieurs là-bas. Non, non, c'était un monsieur et une dame. Ah, vous pensez que je. Non, non, mais c'était. Je crois bien que c'est rigolo. On s'était dit, bah, je me mets à quatre pattes, tout ça. Il t'a dit quoi? C'est fatigant? Ah, vraiment pas. D'accord, bon bah ouais. Dis, je suis tellement chaud, je pourrais faire cuire un steak sur ma fesse. On s'était, enfin, je sais pas, je suis choqué parce que je vous avais vu, on s'était dit plein de trucs. On s'était même dit, moi j'étais tellement chaud, je me faisais cuire un steak sur le cul et tout. Enfin, j'étais. Je suis déçu. Ah, ouais, c'est. Je suis déçu que ce soit pas vous en tout cas. Excusez-moi alors. Dis-lui que t'as l'anus serré comme le 1138. Non, mais c'était. Non, on s'était parlé, D'accord. On a dit qu'à la fin, vous pourrez me pisser dessus et tout. Vite. D'accord, bon bah on a dit qu'on pourrait se faire pisser dessus à la fin et tout, et moi j'étais chaud et. Ils sont en terrasse ou dedans? Ouais, non, ils sont en terrasse. Enfin, c'est ça, il y a juste le truc en haut qui couvre du soleil ou de la pluie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors tu vas leur dire bonjour. Je suis suceur de top 7-5. Oh non! Attends. Oh le bordel! Ah ouais. Il y aura une émeute. Est-ce que c'est vous, couple en chien, sur échangiste de paris.fr? Oh là là! Ils vont péter un cul. Je suis suceur de top 7-5. Est-ce que vous êtes le couple en chien sur échangiste de paris.com? Est-ce que c'est avec vous que j'ai rendez-vous? Okay. Le bon libertin. Ok, allez, on va y aller. Allez, alors. Allez. Allez, on y va. Eh, c'est chaud. Et là, faut se dire, et là, faut serrer les dents. Vous avez parti des trucs dans la vie, c'est chaud, quoi. C'est parti. Vas-y, on t'écoute. Allez, je suis en train de dire, là. Hop. Bonjour, je suis sûr de Zub 75. Hein. Hop. Voilà. Hop, je m'installe là. Excusez-moi, pardon. Hop. Bonsoir. Je suis sûr de Zub 75. C'est avec Didi. J'avais rendez-vous sur Net Échangiste, sur Échangiste de Paris, non? C'est pas ça? Ah non, pas du tout. Ah excusez-moi, je pensais parce qu'on s'était donné rendez-vous. Vous n'êtes pas couple en chien du 9-2? Vous n'êtes pas couple en chien, non, c'est pas ça. Du 9-2, on s'était, non? Il y a méprise. Non, je me trompe. Ah excusez-moi alors. Non mais on avait rendez-vous. Si vous voulez, je peux mettre sous la table et vous posez vos pieds. Si vous voulez, je me mets sous la table, vous mettez vos pieds parce qu'on s'était tapé, enfin on s'était tapé des trucs sur internet. Non, c'était pas vous. D'accord. C'est pas vous qui vouliez voir du lait qui sort de mes tétons, si j'ai pas stressé. C'est pas vous avec. Il y avait une histoire de lait avec les tétons tout ça, non? C'était pas vous. Ah d'accord, mais je me forçais. Non mais ça va, tout va bien, tout va bien. Ok. Bon bah. Oui, je fais attention. Ah non, j'abuse pas. Non, je pensais juste que c'est vous en fait parce que j'avais donné rendez-vous ici. Et... Demande-lui si monsieur c'est pas 18 cm du 9-3. Comment? Vous m'avez dit quoi? Demandez au monsieur si vous êtes pas 18 cm du 9-3 son pseudo. Soyez clean. Ah, mais je suis clean. Non, je voulais juste savoir si vous n'étiez pas 18 cm. En fait, le pseudo, c'était 18 cm du 9-3. Mais non, mais. Allez, sors, Jordan, tu lui envoies, monsieur. Excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Oh merde. Au revoir.
Sarah, tu m'entends, Sarah? Qu'est-ce qu'elle a? Eh les mecs, c'est le bordel partout là, faut vite dégager. On y va les gars, on y va. Merci tout le monde d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Continuez de vous abonner et allez voir si vous n'avez pas encore vu notre premier court-métrage. On a refait Walking Dead dans Paris et on a refait Walking Dead dans le bâtiment d'énergie surtout, avec les vrais maquilleurs de X-Men, etc. Allez voir, cliquez sur la vidéo en haut. On a demandé à Andy Raconte, à Seb Lafrite, à Big Flo et Oli aussi de participer à la vidéo. Cliquez là tout le monde. Bah j'ai 22 ans. T'es en troisième? Bah ouais.